Une pulga peut en cacher une autre. Orphelin de Lionel Messi depuis sa prolongation avortée et son départ au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a perdu son joyau, qu'il avait aidé durant toute sa jeunesse en soutenant financièrement ses problèmes de croissance. Et le capitaine argentin pourrait ne pas être le seul avec ce destin. Bruno, jeune milieu de terrain offensif de l'équipe U17 de Grêmio, a suivi un processus de croissance similaire à celui entrepris par Lionel Messi dans son enfance, pour gagner 20 cm de plus en un an. Bruno, qui va bientôt avoir 17 ans, a commencé son traitement à l'âge de 15 ans, en recevant des injections quotidiennes d'une hormone de croissance, qui l'a aidé à passer de 1,48 m à 1,65 m. Le même hormone polypeptidique que prenait le buteur du PSG dans sa jeunesse. Et pour continuer la belle histoire, le manager du joueur s'est déjà rendu à Barcelone pour une rencontre avec le président Joan Laporta, accompagné de Deco, ancien joueur du club, comme l'a révélé Globosport. Reste à savoir si nous verrons prochainement Bruno au Barça avec le numéro 10 sur le maillot. Invité jeudi soir de l'émission El Largero de la radio espagnole SER, Javi Martinez s'est exprimé sur une possible arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone, et à en croire les propos de l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich, ce dénouement n'est clairement pas à exclure. Justement, j'ai parlé avec lui aujourd'hui même, et il m'a dit, chaque jour, tu as plus de cheveux gris, a tout d'abord plaisanté l'ancien champion du monde 2010 avant d'en dire plus sur le feuilleton Le I. Le truc avec le Bayern, c'est qu'il n'y a pas de clause. S'ils ne veulent pas te vendre, tu es foutu. Je pense qu'il y a une chance qu'il signe au Barça. Je crois qu'il pense qu'en jouant en Espagne, il aurait gagné un ou deux ballons d'or. Et c'est pourquoi il veut essayer. Il a le sentiment qu'il méritait le ballon d'or. Ce n'est pas la même chose de jouer dans le championnat espagnol, dans un Barça ou un Madrid, que dans le championnat allemand. S'il préfère le Real Madrid ou le Barça, demain, je lui demanderai, a ainsi déclaré Martinez. Reste désormais à connaître la décision finale du Polonais.